Hey, tu viens au séjour à la MJC? Wesh, mes parents ils m'ont obligé. Eux ils se cassent 2 semaines au Baléares. Baléares, mucho más. Ils sont relous de te faire ça tes parents? On avait rendez-vous ici à 16h30 vers le grillage. Y'a personne ici? Ben non, j'ai vu personne. Salut, ça va? Ça va? Ouais, bah c'est super. Alors, je suis votre animateur, je vais m'occuper de vous pendant tout le séjour. Voilà. Eh bien, suivez-moi. Prenez-nous. Ouais, ralentis. Et en fait, il a pas de nom l'animateur. Aber Zombie. Bon allez, on va rejoindre nos camarades. Aber Zombie comme Abercrombie, casual luxury. Pas très luxueux le monsieur. Et d'ailleurs, camarade de classe. Eh, c'est une colo de gamin ou... On dirait que t'entends pas. Attendez, je vais le googliser pour voir si c'est pas un terroriste. T'es vraiment un geek. Attendez. Et vous, vous appelez comment? Michael, Janet et Jackson? Et est-ce que tu peux me dire qui sont Michael, Janet et Jackson? Oh, personne, c'est juste une blagounette à deux balles. Enfin, une petite blague quoi. Enfin bref, dépêchons-nous, on sait jamais ce qui peut nous attendre. Et en fait, c'est encore loin? Eh oh! D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Kevin, et toi? Roman. Et toi, Mr. Apple, Think Different? Moi, c'est Tony. Allez, Ab, tu peux nous attendre, ça capte rien ici. Oh, des amis. Ça me cale trop. Je suis refait. Vous venez à la colo? Il paraît que demain on va dans les montagnes. Tous ensemble. C'est qui celui-là? Hé mec, c'est fini le Covid, c'était au début des années 2020. On est où là? Voilà, on est arrivés les enfants. Donc vous dormirez ici. Et demain, départ pour le canyon d'Azkaban vers 5h40 du matin. Mais Ab, y'a que 3 pauvres, c'est normal? T'inquiète, c'est chill, on est tranquille comme ça. Ça colle pas. Oui, mais les autres préfèrent dormir à la belle étoile. Allons souper? Déjà, mais il est 18h. Bah oui, mais il faut dîner avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Vous n'avez pas réglé votre facture d'électricité? L'énergie est notre avenir, économisons-la. Assez discuté, les autres vous attendent. Allez. Posez vos sacs ici. Ils sont pas un peu, zombies? Oh non, c'est les enfants, ils préparent... c'est une sorte de jeu, une sorte de carnaval, tu vois? Mais soyez pas impatients, on est bientôt arrivés au réfectoire. Le chef tient à vous accueillir personnellement, c'est... Voilà. Ah, regarde là. Eh ben, je vous laisse avec lui. Allez, bon appétit. On y va. Voilà.
Bonjour les enfants, bienvenue, appelez-moi chef. Vous êtes un petit peu en retard, donc je vous laisse aller vite vous asseoir. Ils vous ont réservé des places. Bonjour, enchantée, je me présente, Tony, et vous? Moi, je m'appelle Kevin. Tu t'appellerais pas Michael, comme Michael Jackson? Mec, trop stylé ta chemise. It's close to midnight. Stomping Eve is looking for the dark. And out of the moonlight, you see a sign that I almost stop your heart. Ah ouais, pas pour de faux, c'est charmé. Moi c'est Malabar. Parce que quand c'est Navarre, il y a Malabar. Non, je rigole, je m'appelle Romane. C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère, hein. Tu peux me prêter ta veste? Ma chemise est pleine de sang. Bah, tu m'as l'air bien sympa, mais je la mets H24, donc je peux pas. C'est quoi ta marque de rasoir? Gillette, la perfection masculin. Non, je rigole, j'utilise pas, c'est mon père qui l'utilise, moi j'en ai pas besoin. Excusez-moi, monsieur, vous êtes animateur dans le camp? Pourquoi? J'ai l'air si vieux que ça. Non, c'était juste une question. Je voulais pas être impoli, mais vous êtes né en quelle année? Ça a l'air délicieux ce que vous nous apportez, monsieur le chef. Waouh, ça a une drôle de couleur. Mais avant de commencer, mes chers enfants, un petit cocktail maison, le zombiesque. Thank you.
tradition veut que vous le buviez d'un coup. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alcool. Et c'est bio. Ne faites pas attention, monsieur le chef. Merci beaucoup. Alors, petit, vous l'aimez, notre zombiesque? Vous verrez bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est un peu zarbi. C'est chaud et en même temps, ça donne froid dans tout le corps. You try to scream, but a terror attack the sun before you make it. You start to freeze. Il me fait peur, Michael. Tony, tu veux pas voir s'il y a un bus pour rentrer chez nous? Ne faites pas attention. Et maintenant, nous pouvons commencer à déguster ma salade de cerveau et ma fricassée d'insectes. C'est une blague. Je vous trouve très drôle, monsieur le chef. Mais franchement, je préfère les bonnes saucisses Arta. Le bon goût des choses simples. C'est de la cuisine nouvelle. Et puis, je ne connais pas ce Arta. Mais je vous donne un bon conseil. Mangez. Sinon, vous aurez des soucis. Et pour vous motiver, mes chers enfants, le premier qui aura fini aura une surprise. Attention, je donne le départ. 5, 4, 3, 2. 1, parti.
Passe-moi sur mon portable. Je vais appeler les secours. On n'a pas de réseau. T'aurais dû pas me laisser Je suis passée chez Soche. J'aurais dû passer chez Soche. C'est simple. Je suis passée chez Soche. J'aurais dû passer chez Soche. Je suis passée chez Soche. Vous aurez dû passer chez Soche. Soche. Je suis passée chez Soche. Et vous ? Je suis passée chez Soche. Comment ça demande pas compris ? Soche. Oh, et puis merde ! Stoppé ! Soche. J'aurais dû passer chez Soche. Soche. Pourquoi je suis pas passée chez Soche ? Je passerai chez Soche. Soche. Je t'ai aimé, Soche. Soche, s'il te plaît. Soche, reviens. Soche. Je t'aime, Soche. Soche. J'aurais dû passer chez Soche. Vive Soche. Adidas, impossible is nothing. Tiens, tout en Apple, bien. Les opticiens. Apple, think different. Mars, et ça repart. Alliance avec vous de la France. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Tu auras avec ta grand. Haribo, c'est pour la vie. Pour les grands et les petits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au top 3 des zombies avec aujourd'hui en top 3 Mimi Zombie, la plus gentille des zombies. Elle est très sage, très mignonne et surtout très sociable. Quand on s'approche d'elle, soyez plaisants, mesdames et messieurs. Sinon, en top 2, on a le boucher le plus fin de toute la terre, spécialisé en petites viscères et en glorie. Je vous présente le boucher borneur. Et enfin, en première place, on a le plus possédé de tous les zombies. Possédé zombie! Il est là, il est plus là. Les chéris, debout, c'est l'heure. Aujourd'hui, vos vacances démarrent. Nous vous accompagnons au bus pour partir à la MJC. In the dark, another
Scène 5-1, prise 7. Vas-y. Scène 1, 3, prise 4. Attends, je sais pas si c'est tourné bien, mais normalement... Ça tourne. Scène 1-1, prise 1. Ok, tu vas te poser. Ça tourne. Annonce. Scène 1-1, prise 4. Passe à la radio. Est-ce qu'elle est à quoi, vous? Ah, c'est le bouton de dessus. Ah, je vais essayer de le trouver. C'est là qui se situe ou pas? Non, regarde. Là, celui-là. Mais fais gaffe si t'appuies dessus, je pense que ça va démarrer. Clap. Scène 1, 3, prise 1. Action. Coupé. Ça tourne. Clapinou. Scène sauve, prise 2. Prends le temps de partir. Attention sur le fil. Scène Soche, prise 3. Pas encore. J'aurais dû passer ces soches. Annonce. Scène Soche, prise 4. Plus haut, plus haut. Scène Soche, prise 5. Alors, tu vas faire... Ça tourne. Annonce. Annonce.
Scène 2, 2, prise 1. Allons-y. Eh oh. D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Kevin, et toi? Roman, et toi, Mr. Apple, film des Fuentes? Moi, c'est Tony. Je vais arriver. Je Et mec, c'est fini le Covid. C'était au début des années 2000. Bon. En fait, c'est quoi ton nom? Tony, et toi? Merde, mais non, c'est pas les gars. Et vous, vous appelez comment? Michael Jackson et... Merde. Ça tourne. Attention, cousin machin. Scène 3, 2, prise 4. Ça a trompé dedans. Attends. Là, là. Qui va si on va réussir à aller à le clap, alors c'est pas grave. Seconde, c'est comme ça. Bah, mais il y a toujours le bouton. Ah non, je vais avoir le nez déformé. Ok. Et l'obscurité sur les plaines s'étend. L'heure de minuit approche sa grande main. Des créatures rampent assoiffées de sang, terrorisant tous les voisins. Et quiconque qui sera trouvé ou affronter les chiens errants de l'enfer. Et leurs cadavres pourriront dévorer par les vers. La puanteur la plus dégoûtante est dans l'air, comme ce snoop oublié depuis des millénaires. Des vampires décrépits dans chaque tombe s'approchent pour sceller votre perte. Et même si vous vous battez pour survivre, votre corps est pénétré d'une transe spasmodique. Car nul mortel ne résiste, les morts. Attends, assomme-la en fait. Plutôt à sa tête. Non, mais... Voilà, c'est bon. Scène 6, 1, prise 1. Ouais, joli. Là, là. Sans calcaire. Non. Moi aussi j'ai faim, mais il n'y a personne qui l'a fait. Quoi? Allez, silence. Corentin, tu commences. On n'est pas censé faire un groupe? Caméra. 1, 2, 3, 4, 5. Et au fait, camarade de classe, ouais. C'est une commode galant ou quoi? Ouais. C'est une commode galant.